Bon, déjà, je veux remercier à tous d'être là. Et aussi, je voulais remercier aussi les sponsors qui ont permis cette soirée. Évidemment, Luz au coiffe, Chic Pizza, Garage du Chemin, BPI, Agence Saint-Germain, Le Panier de Portugal, Tuga Magazine, la pizzeria Don Fernando, 2SW aussi, Tugash FC, évidemment, je ne peux pas oublier la ville de Saint-Germain. Je voulais vous demander une chose aussi, c'est d'éteindre votre portable, de ne pas mettre en vibreur, de ne pas mettre en mode avion, c'est vraiment éteindre vos portables. C'est très important d'éteindre vos portables. Non, madame, non, pas avec vibreur, non. Vraiment éteint, off. Il y en a beaucoup qui avaient allumé quand même, hein. Ils étaient en train de tweeter et de facebooker. Bon, tous les portables, ils sont éteints. Je veux vous rappeler aussi que c'est interdit de faire des photos, évidemment, de filmer pendant le spectacle. Ah, il y a encore des téléphones qui sont allumés. Hein? Sérieux, c'est très important d'éteindre vos portables. Je rappelle une fois que c'est interdit de prendre des photos et de filmer. Maintenant, on passe en spectacle. Mesdames, messieurs, je vous présente José Cruz. Génial! Ce soir, tout le monde sait ce que ça veut dire, hola! Oui! Ça veut dire quoi? Bonjour! Bonjour! Bonsoir! Salut! Coucou! Hola! Bon allez, ce qui serait top, comme c'est la première fois ce soir que je joue à Saint-Germain-en-Laye, c'est qu'on le fasse une fois, comme si on était dans un stade en folie! Bonsoir, c'était José Cruz! Bonsoir, mademoiselle. Ça va, tranquille. C'est pour l'avoir votre numéro. Bien sûr. 36. Bon, ben, je vois que ce soir, il y en a 2-3 qui ont bossé sur les chantiers. Et moi, mon rêve, depuis que je suis tout petit, c'est d'aller à Houliouane. Faire du cinéma. Je me souviendrai toujours, il est venu, il m'a dit « Bordel de merde. Masse de gâchis, il y a de quoi faire 5 appartements. » Ça, c'est mon papa. Je l'adore, mon papa. Attention, mon papa, il est génial. Mon papa, il a toujours été là pour me soutenir et pour m'encourager. Mais vraiment, toujours, toujours. Malheureusement pour moi. Non, sérieux, j'oublierai jamais mon premier but au foot. Il était au bord du terrain derrière la balustrade. Goal ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! C'est mon fils, c'est mon fils, autour du terrain. C'est mon fils, c'est mon fils, on a des pop-up girls. Ou J, ou O, ou S, ou E, ou Z. Ça, c'est les papas du monde entier. À chaque fois qu'on les contrarie ou qu'on fait une connerie, on est toujours le fils que de la maman. Que Louis, je les connais pas. Ah, il habite ici, ah bon? Depuis 18 ans, ah bon? Eh, bonhomme, viens voir. On va payer le loyer maintenant. Alors que ma maman, quand je lui dis que je voulais être comédien, elle était. Je crois qu'on va tous mourir. C'est Georges Marie.
Ah oui, alors, je vais jouer, je m'arrive. C'est la version intériorisée de Bordel de merde. Je joue, je m'arrive, je sais, comédien. Comme dans Urgence. Mais José, tu n'as même pas fait médecine. Oh là là, la honte, José, tu vas finir pour standardiste. À l'hôpital de Georges Clooney, j'écoute. Vous êtes nombreux. Ah, un couple d'amoureux ce soir, c'est un couple de... Ma, c'est des années, pourquoi? C'est pas sur les finitions. C'est de la merde. Là, je suis sûr, le mec a un bon qui passe sur les chantiers. Il n'y a pas qu'on tourne le vif pour les parler comme ça. Tiens, tu peux me tenir mon kebab? Un kebab? C'est un kebab, pas un poney. Kebab, 3000 euros. Poney, 300 euros. 3000 euros. Gracias. Kebab. Mademoiselle, permettez-moi de vous présenter mes dommages. Mes dommages, ils ont terreur. Mademoiselle, de tous les ennemis que j'ai eu à combattre, vous êtes la plus cruelle, vous êtes la plus sauvage, vous êtes la plus. Et si mon geste vous paraît audacieux, sachez qu'il est moins que le regard de vos yeux. C'est une princesse portugaise. Ah, et mets-toi les rides. G-S-O-T. J'ai sauté. Tu, quand sa maman vient faire un tour le dimanche, il reste toute la semaine. Et toi, tu l'auras pas. Mais avec les sirènes, je sais, c'est tout le temps ton chat. Je vais te donner un exemple. Cache-toi derrière le rideau et chut. Il t'a rien dit. Maria! Maria! Va me faire un tour! Mario! Viens ici tout de suite! Si tu touches cette porte, tu vas faire un tour là-haut! Avec tes ancêtres! Lâche cette poignée! Doucement! Pas de gestes trousques! Ricoule. Assieds-toi sur le canapé. Mets les pieds sur la table. Retire les godasses. Garde les godasses. Allume la télé. Ah, urgence. Bouge pas, je te dis. Attention, je suis une malade. Bon, d'accord, allez, vas-y, change. Ah, voilà, foutu bourgon! Alors, t'es pas bien ici? Avec nos familles? Avec nos malades? Qu'est-ce que t'as besoin d'aller faire un tour dehors? À minuit? Ah, ça y est, j'ai n'ai compris le poteau rouge. Monsieur Mario, il voulait faire le playboy, hein? Ah, tu t'es pas regardé avec ta grosse barrique de 50 litres? Écoute-moi bien, tu bouges, je te perce la barrique. Je te perce la barrique. Allez, bouge pas, chérie. Je vais te chercher une bière.
De cochon. Retour au poste de commandement. Suspect neutralisé. Bouge pas. I'll be back. Dites-moi, José. Ou une sirène dans un corps de poule. Ils disent toujours merde avant le début d'un spectacle. Oui. C'est pourquoi? Voilà. Mais l'origine historique de ça. Les kevals. En effet, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'au 19e siècle, les bourgeois allaient au théâtre en carrosse, tirés par des... Pardon, merci, oui. Et en fait, à chaque fois que les carrosses s'arrêtaient devant les théâtres pour déposer les spectateurs au spectacle, les kevals, ils en profitaient pour faire... leurs besoins. Tout le monde a compris là-haut? Sinon, je peux préciser. Ok, j'insiste pas. Et donc, bah, c'est pour ça que les artistes se sont mis à se souhaiter une bonne et grosse merde à toi, mon ami Stéphane. Je prends. Stéphane, qui était mon régisseur aussi ce soir, qui m'a accompagné. Et dans les carrosses, bah, du coup, c'est aussi grâce à ça qu'ils savaient si un spectacle avait du succès ou pas. Cochez, cochez, mon ami. Cochez, mon ami. Cochez pour marquer, répondez, cochez pour marquer, répondez. Oui, c'est coché pour Marquis. J'écoute Marquis. Coché, déposez-nous devant ce théâtre, je vous prie, mon ami. Merci, terminé. Vous êtes certain, Marquis? Ah. Ça, Jacques Tati. Hola. José Cruz. Connais pas. Allons voir. Spectacle doit avoir un succès phénoménal. Voyez, je m'enfonce, je m'enfonce. Et voilà, c'était la partie culturelle du spectacle.